C'est pas 100 ans, quoi. Parce que je suis encore active, je suis encore capable de tout faire, quoi, d'avoir soin de moi, puis de ma chambre. Oui, je m'occupe encore de ma catabilité. Mais j'ai des bons enfants, ils me voient, fait que ça me console. Et j'ai souvent dans les visites, ma fille vient me voir, et on jase. Hein. Quand elle vient pas le matin, elle vient le soir. Impatiente, très patiente. J'ai toujours été un peu seule, moi. J'aime assolir, faire mes affaires. Hey, j'avais 15 ans, je cousais. Ma mère en faisait venir. Le cordon bleu de ma mère. La poudine chômeur. Pas oui. Souvent, c'était du steak. Je faisais des bonnes tartes, par exemple. J'en faisais au chocolat, puis j'en faisais au sucre. Mon mari, c'est aimable cadeau. Il travaillait sur les bateaux, c'est la construction des bateaux. On restait sur une maison à Davelouville. On s'est mariés là, le 23 janvier 1935. Pour me marier, j'avais un manteau de fourrure. J'avais une robe bleue avec garni de paillettes. Et cela, c'est mon journal à tous les matins. Quand on aime à lire, on... Et savoir ce qui se passe, et puis à la télévision, mais quand on a entendu la télévision, il faut la faire jouer fort. Et puis c'est fatigant, j'ai mieux avoir mon journal. Je regarde la télévision quand même. Elle a toujours dit qu'elle serait centenaire, et je suis contente pour elle, puis pour nous aussi. On lui parlait de ça, oh, maman, t'as 80, oh, ben, oh, je vais me rendre jusqu'à 100. On lui souhaitait d'être centenaire. Elle disait, oui, je vais me rendre. Et puis voilà. Il n'y a pas de secret pour moi, là. Non. Je fais ma part. Je prenais pas rien de fort. Avec le monde, là, j'aime pas chicaner. Là, mais... Oui, c'est bien apprécié du monde. Okay.